À de jeunes sportifs, je leur dirais, si c'est des jeunes sportifs qui sont déjà tournés vers le haut niveau, c'est comme on les prépare déjà psychologiquement avec des coachs psychologiques, des coachs sportifs spécialisés dans la psychologie du sportif. Bah, la même chose au niveau du sommeil. Il y a des grands spécialistes du sommeil qui ont aidé de grands sportifs. Et je pense que plus jeune on commence, bah, plus jeune on se prévient des blessures et plus tard on pourra finir sa carrière. Donc commencer tôt. On garde son. Il y a le capital sommeil, soleil, et ben là il y a le capital sommeil. Plus tôt on apprend à bien dormir, et ben mieux on sera préparé à faire une grande carrière. Le sportif du dimanche, il a encore plus besoin, surtout lors des compétitions, de bien préparer son sommeil, car contrairement aux sportifs de haut niveau, son corps n'est pas préparé à recevoir quotidiennement des contraintes. Donc le sommeil est primordial parce que c'est aujourd'hui encore, c'est le seul moyen qu'on connaisse pour vraiment régénérer le corps et prévenir les blessures aussi. Donc c'est quelque chose qu'on essaye d'améliorer, d'avoir une meilleure connaissance sur le sommeil, mais il est primordial. Ouais.